Les épreuves orales, première étape du certificat d'études primaires élémentaires CEP, ont été affrontées par les candidats ce mardi. Au centre de l'école primaire Kwangamakoso, dans le 5e arrondissement Mongompoku, jusqu'à notre arrivée autour de 10 heures, les membres du jury s'attelaient encore au brassage des 600 candidats venus de 9 écoles de Pointe-Noire avant de lancer ces épreuves, en témoigne la chef de centre Kibumu Mayengo. Nous sommes confrontés à une petite difficulté, oui, le brassage qui devait être fait par la direction départementale n'a pas pu être fait. Donc voilà pourquoi, oui, nous sommes sur ce brassage-là. Nous sommes presque à la fin, donc bientôt là, nous allons démarrer les épreuves. Du côté de l'école primaire, 15 août 1963, toutes les conditions étaient réunies pour un bon déroulement de ces épreuves orales. Le chef de centre nous parle de leur déroulement et des dispositions prises pour les candidats n'étant pas encore en possession de leur carte d'accès. Ça se passe très bien. Nous avons lancé l'épreuve orale et là à 10h15. J'ai un effectif de 730 candidats, dont 450 filles. Et répartis de la manière suivante, j'ai 12 écoles privées et 2 écoles publiques, c'est-à-dire 15 août A et 15 août B. Nous avons le preuve orale qu'on appelle la poésie. Et aussi, la deuxième preuve, c'est la lecture. Comme aujourd'hui, c'est le premier jour, c'est la partie orale. Donc, nous acceptons les enfants. S'ils ont des cartes d'accès, c'est bon. S'ils n'ont pas de cartes d'accès, nous les acceptons. Et concernant la journée de jeudi, que nous demandons aux promoteurs des différents établissements de donner à leurs candidats les cartes d'accès. Parce que pour nous, pour justifier que l'enfant est candidat dans leurs établissements et en plus est candidat dans notre centre d'examen, 15 août, moi je tiendrai que l'enfant doit avoir sa carte d'accès le jeudi. Après l'étape orale, les candidats affronteront les épreuves écrites de cet examen d'état qui sanctionne les études primaires. Ils m'ont inscrit à l'école. Mon frère et ma mère sont mes dieux sur terre. Je ne respecte l'école.